Dans Les secrets d'un destin, Manuel Valls, aux éditions du Moment, écrit par Gilles Verdez et Jacques Hennen. Ceci, dans la bouche du regretté Guy Carcassonne, parlant de Manuel Valls. C'était il y a un peu plus dedans, lors d'une enquête faite pour écrire cette biographie. Voici ce que disait Guy Carcassonne. Il possède, Manuel Valls, les qualités d'un vrai rocardien, c'est-à-dire n'ayant pas peur des idées, quelles qu'elles soient, sans aucun tabou. Il a d'ailleurs été un rocardien fidèle. Et puis, plus loin, de dire au fond que le Parti Socialiste est sur le fond social-démocrate, que Hollande ne se l'avoue pas vraiment, mais que Valls assume cette position. Et plus loin encore, dans toujours Les secrets d'un destin, cette phrase dans la bouche de Manuel Valls lui-même, « Les Hollandais n'ont pas de premier ministrable, le seul capable, cela va être moi. » Et bien voilà, c'est fait. Donc François Hollande a nommé hier Manuel Valls au poste de Premier ministre pour mener au gouvernement un gouvernement de combat, soucieux de justice sociale dans la foulée de la déroute subie par la majorité au second tour des élections municipal. Le chef de l'État a confirmé ainsi dans son allocution le remplacement de Jean-Marc Ayrault par le ministre de l'Intérieur en réponse au clair message des urnes. François Hollande aurait-il dit à la population en mettant Manuel Valls à Matignon « Je vous ai compris ». C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui avec notre invité, un de ces deux fameux auteurs de Manuel Valls et les secrets d'un destin, Jacques Hennen, bonjour. Bonjour. Ancien rédacteur au Parisien, également à France ce soir, et donc auteur avec Verdez de ses secrets d'un destin. Et puis, nous avons décidé de convoquer parmi la fine équipe des matins, Thierry Pech, qu'on écoute le lundi. Bonjour Thierry Pech. Bonjour. Et je rappelle donc délégué général de Terra Nova. Et on vous a bien sûr vous demandé également, du coup, pour être sûr que vous en parliez, Philippe Bagnère, de rester avec nous autour de Jacques Hennen. Ils sont bien sûr avec nous, Caroline Forest et Benoît Bouscarel. Je précise qu'en seconde partie, nous rejoindrons vos concurrents, hein, Jacques Hennen, si j'ose dire, ou vos collègues et amis. David Revaud-Allonne, entre autres, journaliste au Monde, qui lui vient de publier avec Laurent Beauredon, Valls à l'intérieur. Chez Robert Laffont. Alors avant de comprendre un peu l'itinéraire de cet homme et de ce qu'il a chamboulé, va chambouler ou froissé à l'intérieur de la gauche française, peut-être commençons par le début, c'est-à-dire qu'attend-on aujourd'hui de Manuel Valls et répond-il à ce qu'on pourrait au fond interpréter de chez François Hollande hein, hier, et répond-il à « je vous ai compris » Jacques Hennen. Lui le pense en tout cas, il va falloir qu'il résolve une équation à la fois libérale et sociale, si j'ai bien compris. Pour l'avoir un peu fréquenté quand on a fait le bouquin, moi je pense que c'est possible, ça va être difficile, mais c'est possible. C'est quelqu'un qui a aussi une habileté politique redoutable, c'était un as de la communication. Oui, on peut dire qu'il revient à Matignon après y avoir fait un long séjour, notamment avec Michel Rocard et ensuite avec Lionel Jospin. Jospin qui est son mentor, qui est son maître, qui est son modèle absolu, bien plus que Rocard d'ailleurs. Et pour qui il faisait de la communication, pour qui il s'occupait de la communication. Absolument, absolument il a beaucoup aidé Jospin à l'époque, comme il a beaucoup aidé Hollande pendant la campagne. Voilà, non, je pense qu'il peut effectivement résoudre cette équation. Donc je disais donc que c'est quelqu'un qui a une habileté politique redoutable. Pendant la campagne, il a vu que Mélenchon pouvait piquer quelques voix. Et dans le bouquin, on révèle que c'est lui qui a poussé les fameux 75% au-dessus d'un million, je rase gratis, ce qui pour Manuel Valls, c'est un peu surprenant. On l'a beaucoup travaillé au corps pour qu'il finisse par l'avouer. Ça montre son habileté. Ces fameux 75% qui les ont immédiatement... c'était une patate chaude dont ils se sont plus ou moins débarrassés. Mais Manuel Valls est capable à la fois de convictions profondes, mais d'une certaine habileté politique qui peut laisser présager qu'il saura construire une majorité. Alors, est-ce que, Philippe Bagnère, vous seriez-vous, au fond, comme dit Economist ou le Financial Times, qui plaide plutôt pour Manuel Valls, disant, au fond, qu'il est le seul à ne pas faire partie des paléo-socialistes ou paléo-gauchistes, que l'avenir de la France reposerait davantage sur lui que sur d'autres, en tout cas dans la sphère politique de gauche? Est-ce que vous pensez que François Hollande répond au problème du jour en nommant Manuel Valls à Matignon? C'est honnêtement très difficile à dire avant de savoir ce que va faire Manuel Valls, pardonnez-moi pour cette évidence, mais c'est assez compliqué d'imaginer ce qu'il va faire, je trouve. Parce que c'est un personnage qui est assez attachant. La feuille de route est claire du président de la République. La feuille de route est claire sur le plan des grands principes, à la française. C'est-à-dire que vous énumérez des termes admirables qui finissent en T. Je ne compte plus les pactes de quelque chose T. Moi, il y en a 5, 6, je les mélange. Donc je ne suis ni pour ni contre. Simplement, on ne voit pas du tout ce que ça veut dire d'un point de vue spécifique en termes d'action politique. Alors, qu'est-ce qui peut laisser à penser qu'il peut-être un bon Premier ministre sur le critère sur lequel vous m'interrogez, c'est-à-dire sur le critère économique.
C'est un pragmatique. Ça n'est pas un idéologue aliéné à une vision du monde, disons, périmée ou en tout cas trop forte pour que ça lui interdise de faire parfois certains choix qui seraient nécessaires, même s'ils ne sont pas dans la tradition française. Donc ça, c'est un bon point. C'est quelqu'un qui est ouvert. Il n'est pas complètement international. Je veux dire, ça m'étonnerait, puisque vous citiez le Financial Times of the Economist, que ce soit ses lectures de chevet. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que ce le soit. Mais je veux dire, ça ne fait pas partie des rares politiques français qui ont beaucoup voyagé et qui ont une vision du monde. Donc ça, ce n'est pas vraiment très encourageant. En revanche, moi, je crois vraiment il est sincèrement ouvert, curieux, intéressé par ce qui se passe ailleurs, même s'il ne le connaît pas bien. Et je pense qu'il serait fier intellectuellement de résoudre la quadrature du cercle. C'est pas seulement quelqu'un qui est content de rester sur le cheval pendant le rodéo. Je pense que c'est quelqu'un qui serait assez heureux de faire arriver son cheval à l'arrivée. Tout ça est assez encourageant. Maintenant, quand on dit qu'il est libéral... Enfin, franchement, il faut aller un peu vite pour penser ça. Alors, c'est clairement quelqu'un qui est perçu comme cela au sein du Parti Socialiste. Oui, mais éventuellement celui qui sera le cheval de Troie ou qui paiera à une droite libérale à laquelle le Parti Socialiste, a priori, ne va pas accéder. Pardon, il n'y a pas de droite libérale en France, ou bien on s'en serait aperçu. Et je ne crois pas qu'il y ait un enjeu en France intellectuel ou idéologique qui consisterait à mettre les libéraux de son côté, puisqu'ils sont 2,5 les libéraux en France. Donc ça ne compte pas beaucoup. Ce qui est vrai, c'est qu'il est moins... comment dire, archaïque que beaucoup de socialistes. Cependant, je finirai par là, je pense qu'il reste dans la tradition socialiste au sens où il est assez constructiviste. Ce qui est assez encourageant d'ailleurs du point de vue que j'évoquais tout à l'heure, c'est un républicain qui, je crois, a le souci de la loi. Je trouve ça bien, et pas seulement pour des raisons d'opération de police, évidemment. En revanche, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit libéral, précisément dans sa vision de la manière dont les choses doivent aller. Je crois qu'il reste dans la tradition française intentionnaliste, constructiviste. Je suis ni pour ni contre, mais quand on dit qu'il est libéral et qu'il est là pour plaire aux libéraux, sauf que c'est doublement bouffon, encore une fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de libéraux et que je ne crois pas qu'il ait beaucoup montré qu'il était libéral lui-même. Allez, continuons le tour de table. Thierry Pêche, Manuel Valls est-il donc l'homme de la situation ? Écoutez, moi je crois que les rails de la politique économique sont déjà largement tracés, qui va avoir très très peu d'autonomie sur ces questions. Le pacte de responsabilité a été confirmé hier, bien sûr. Le clou a été enfoncé. Le pacte de solidarité qui vient s'ajouter ne comporte deux informations. D'une part, qu'on va baisser un peu les impôts, les cotisations salariées pour libérer du pouvoir d'achat. Et d'autre part, le fait que tout ça sera financé par des économies budgétaires. Donc tout ça est quand même largement contraint, tracé. C'est un homme dont on connaît la pensée sur la République, une forme de sévérité républicaine, bon, qui a structurer son parcours, mais dont on ne connaît pas encore la pensée économique, finalement. Alors, on sait qu'il a un positionnement qui est d'être l'aile droite du Parti Socialiste, d'être le plus au centre. On voit que l'opération politique risque d'être assez compliquée, parce qu'il va falloir trouver une majorité à l'Assemblée sur le pacte de responsabilité. Où va-t-elle être trouvée ? Je pense que les députés socialistes vont finir par voter ce pacte, parce que personne ne prendra la responsabilité de faire sauter le gouvernement. Mais à long terme, est-ce que le siège naturel de cette majorité n'est pas dans une extension au centre ? C'est une question qui peut se poser dans la vie politique. Enfin bref, pour résumer, je pense que Manuel Valls va devoir faire la démonstration qu'il a des idées en matière économique aussi, en matière politique, et pas simplement sur les questions qu'il a des idées, mais peu de marge de manœuvre. Il a très peu de marge de manœuvre, mais ça, c'est une évidence. Alors, ce qu'on a appris hier soir, quand même, c'est que le gouvernement, en l'occurrence François Hollande lui-même, allait demander à l'Europe un peu de souplesse. Hein, vous avez tous noté ça. Réorienter l'Europe. On ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Et je pense que ça, c'est une mesure qui s'imposait. Je veux dire, on a été quelques-uns à l'annoncer avant même qu'elle soit assumée. Mais on ne peut pas courir à la fois le lièvre de l'emploi, de la compétitivité et du désendettement. Il y a un moment où il faut que les choses passent, sinon on risque de casser l'activité. Et là, de ce point de vue-là, c'était attendu. Allez, c'est bon. Caroline Forest. S'il y a une surprise, ce sera sur l'Europe. Sur le point de vue intérieur et national, comme l'a dit Thierry Pêche, les rails sont largement tracés et en réalité, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je veux dire, trouver un équilibre entre la compétitivité et aujourd'hui moins d'impôts vu le rejet qui a été manifesté très clairement de la pression fiscale pour le coup par les urnes, entre essayer de faire la justice sociale et d'économiser 50 milliards, on ne peut pas dire qu'il y a une immense marge de manœuvre. Par contre, il y avait un énorme problème de tranchant et de communication et la nomination de Manuel Valls répond évidemment à ce déficit-là. Donc ceux qui ont critiqué le manque de tranchant de Jean-Marc Ayrault ne peuvent que se satisfaire de la nomination de Manuel Valls. Maintenant, le problème que cela pose, c'est que Manuel Valls n'est évidemment pas très apprécié de l'aile gauche du Parti Socialiste et encore moins des écologistes et au-delà. Moins d'ailleurs pour des raisons économiques, pour des raisons d'affirmation républicaine
et de lignes tracées qui ont été de vrais arbitrages au sein de la gauche entre les multiculturalistes naïfs, justement, et les républicains de gauche. Et du coup, bah, c'est là que, si Manuel Valls est habile tacticien comme on lui prête, il a une carte à jouer dans à la fois réaffirmer et maintenir ce cap des lignes républicaines, laïques, etc. Et de l'autre côté, surprendre sur l'économie, non pas au niveau national, mais au niveau européen, en allant arracher, par exemple, à l'Allemagne, en essayant de mettre en scène à l'Allemagne, d'arracher ce plus d'Europe politique et moins d'austérité. Alors, monsieur le biographe, Jacques Eden, tout de même, comment comprendre ce que serait la philosophie, la pensée politico-économique de Manuel Valls? Il faut revenir à la biographie, il faut revenir notamment au moment où, avec ses copains, la bande de Tolbiac, il décide de rejoindre plutôt Michel Rocard, alors que ce n'est pas vraiment à la mode, contre le mouvement mitterrandien et que Manuel Valls, Premier ministre aujourd'hui, doit beaucoup, vous l'avez dit, à Lionel Jospin, mais au départ tout de même, s'inspire quoi, d'une pensée économique très proche de celle de Rocard. Ah oui, absolument, il était un peu tout seul avec Alain Bauer et Stéphane Fuchs, et ils étaient un peu tout seuls à Tolbiac à être déjà sociaux, non pas libéraux, mais sociaux-démocrates. À ne pas vouloir faire la révolution nécessairement, dites-vous. Absolument, à être plutôt calme et à expliquer dans des amphis extrêmement chahutés que le pragmatisme politique, économique est la clé de l'avenir face à des jeunes gens beaucoup plus qui rêvent plutôt du grand soir. Et comme dit Manuel Valls, le grand soir, c'est la pire chose qu'on puisse promettre au peuple et aux gens de gauche. Ils préfèrent des petits matins qui avancent qu'un grand soir définitif. Et c'est ce qu'il expliquait déjà à l'âge de 20 ans dans les amphis de Tolbiac. Mais donc, il est donc déjà vu à l'époque, tout de même, comme un peu un traître, au fond, à la doxa du moment, qui est d'être plutôt mitterrandien que rocardien. Absolument. C'était déjà un social traître, si j'ose dire. Et son obsession, c'est quand même l'extrême gauche et les communistes. Hein. Il faut savoir quand même que pendant 10 années consécutives à Argenteuil, il a essayé de s'allier pour déboulonner le maire communiste d'Argenteuil. Il n'y a pas réussi d'ailleurs. Il a pris plusieurs claques électorales. Robert Rue, sur l'injonction de Jospin d'ailleurs, l'a battu aux législatives. Donc il a une dent définitive contre les communistes depuis toujours. Et son enfance s'explique aussi par ça. Benoît Bouscarel. On vient de dresser quand même le portrait là, d'un homme à la fois de combat, ce qui tombe bien pour un gouvernement de combat, sur la forme. C'est un homme qui est capable de beaucoup travailler. Voilà. Et c'est aussi un pragmatique. C'est ce qu'on vient de dire également sur le fond. Sur la ligne social-démocrate, il est évidemment compatible avec François Hollande. Ils sont d'accord là-dessus, puisque si on prend la primaire socialiste, quand même, c'est lui le premier à avoir montré cette voie, à avoir désigné cette possibilité-là. Donc ils vont forcément être d'accord là-dessus. Et puis sur le multiculturalisme dont parlait tout à l'heure Caroline, dans le livre Pouvoir qu'il avait écrit il y a quelques années, ouais, que vous citez dans votre biographie, ouais, il écrit « L'homme du 21e siècle sera multiculturel ». Il a montré par la suite que ce n'est pas forcément non plus le fond de sa pensée toujours. C'est pas pareil que multiculturaliste. Ouais, hein, multiculturel, ouais, ça c'est une évidence. Thierry Pêche, vous voyez réagir au propos de Jacques Eden. Non, c'était pour compléter. Moi je ne connais pas bien la biographie. Je vais lire le mais vous connaissez bien le livre de mon voisin. Je pense qu'il faut quelques nuances dans le débat, parce que sinon on va balancer des grandes étiquettes. Social-libéral, c'est pas social-démocrate. Il y a quelques frontières quand même à retracer. Les vrais sociaux-libéraux européens, que ce soit Schröder ou Blair, ils ont fait des choses qui ne sont manifestement, pour le moment en tout cas, pas à l'agenda des réformes de Hollande et de celles que va devoir porter Manuel Valls, notamment en termes de flexibilisation du marché du travail. Ça, il n'y a pas vraiment d'agenda de flexibilisation. Il y a l'ANI, l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, mais c'est très peu de choses. Et puis, il y a ce qu'on appelle le workfare, c'est-à-dire les politiques qui consistent à pousser les chômeurs sur le marché du travail en réduisant les indemnités de chômage, etc. Ça, le gouvernement ne semble pas vouloir le faire. Et ça, c'est un vrai marqueur d'une différence entre les sociodémocrates et les sociolibéraux. Pour le moment, Valls-Hollande, c'est un couple social-démocrate, pas social-libéral. Philippe Manière. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Thierry. Et très sincèrement, on nous l'a dit à l'instant, c'est quand même l'inventeur des 75%. Enfin, je crois qu'il n'y aurait qu'en France qu'on pourrait se poser la question de savoir si quelqu'un qui a suggéré qu'on taxe à 75% les revenus au marginal est vraiment libéral ou pas. Enfin bon, oui, alors c'est tactique peut-être, mais... Vous voyez bien le caractère stratégique du... Non mais attendez, c'est tactique ou pas tactique, je comprends bien que ce soit tactique, mais enfin, quelqu'un qui a inventé ça, même avec les meilleures intentions du monde, peut difficilement être qualifié... A fait gagner la présidentielle à son camp, c'est pas mal. Vous pensez que la gauche n'aurait pas gagné sans
pensant ça. Non, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait gagner la présidentielle. Drôle, mais peu importe. Je crois qu'à l'époque, on surestimait Mélenchon et que la semaine d'après, on se rendait compte qu'il baissait déjà dans les sondages. Mais peu importe. En tout cas, il a eu cette idée. Et je ne crois pas que ça puisse faire de lui une caricature de libéral. C'est tout ce que je veux dire. Sur les libertés publiques, qui sont un autre point dont on parle, comme vous le savez, c'est un peu mon cheval de bataille, assez peu dans ce pays. Quoi qu'on pense, et évidemment, je pense comme vous, de ce que dit Dieudonné, c'est pas du tout libéral que de faire interdire ex ante des spectacles. Donc là encore, sur ce critère, qui n'est pas pour le coup économique, qui est le critère des libertés publiques, il n'a pas agi, même si ça l'a rendu populaire à certains égards, même si on peut comprendre, il n'a pas agi d'un point de vue libéral. Mais je sais bien, encore une fois, je ne parle pas du point de vue tactique, je dis du point de vue de l'analyse qu'on peut faire de son action, même si par ailleurs, je ne dis pas qu'il n'a pas agi en général plutôt bien pour le pays dans ses fonctions précédentes. C'est difficile de dire que quelqu'un qui a inventé les 75% et qui a fait interdire les spectacles étant ex ante est un libéral forcené. Enfin, j'ajoute qu'avoir servi Lionel Jospin, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui me semble quand même difficilement caractérisable lui non plus comme un libéral forcené, me semble pas non plus destiné, ça me semble pas prédestiner quelqu'un à être libéral ensuite. Voilà. Alors, en deuxième partie, nous continuons bien sûr de comprendre la personnalité de Manuel Valls et surtout de ce qu'il va pouvoir ou essayer de faire, mais nous avons quand même un scoop. C'est que nous avons avec nous le chroniqueur de 8h15 de tous les jours des matins de France Culture, Brice Couturier. Ben, vous avez été un des tout premiers à voir l'itinéraire. Écoutez, je vais vous faire une confidence. En une seconde, vous pouvez revoir. C'est moi qui ai pris l'adhésion de Manuel Valls à la section du 4e arrondissement du Parti Socialiste. Nous sommes très amis de Brice Couturier. Il est arrivé en disant je veux adhérer au Parti Socialiste pour soutenir Michel Rocard. Il disait Michel Rocard. Et alors, le secrétaire de section m'a dit Brice, il est pour toi. Parce que j'étais le représentant du courant C. La question que je voudrais poser, c'est une question d'actualité. C'est les tendances de gauche du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, on l'a vu hier, sont au bord de la mutinerie. Il menace carrément de voter contre le pacte de responsabilité. Alors, on vient de le dire, Manuel Valls est un homme d'autorité. Est-ce qu'il va pouvoir les rassurer et peut-être les remettre ou pas? 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Merci Marc. Contrairement à ce qu'a dit François Hollande hier soir, le message envoyé par les électeurs à l'occasion des élections municipales est tout sauf clair. Ces interprètes se divisent en deux camps. Certains estiment que l'échec de la gauche traduit une exigence de justice sociale, les autres que la victoire de la droite a sanctionné un gouvernement qui a provoqué inutilement les électorats catholiques et musulmans par des réformes sociétales trop hardies et qui a augmenté exagérément les impôts sans parvenir pour autant à réduire les déficits. Mais surtout, les premiers estiment qu'on en a trop fait pour les entreprises, les autres pas assez. Alors, comme au soir des congrès du Parti Socialiste, François Hollande aura tenté hier la synthèse entre ces deux motions, rigoureusement contradictoires. Alors, au premier, il concède l'ajout d'un pacte de solidarité au pacte de responsabilité, que de pacte. Cela rappelle la formule du pacte de stabilité et de croissance. La solidarité se traduira par une réduction des charges et des impôts. Il s'agit de rendre un peu de pouvoir d'achat aux ménages matraqués depuis maintenant 4 ans. Rappelons à une opposition amnésique que les hausses d'impôts ont commencé sous François Fillon. Il s'agit surtout d'abaisser des charges pesant sur les salaires, dans les faits de transformer la prime pour l'emploi, qui est un crédit d'impôt, en baisse des charges sociales payées par les salariés, parce qu'il est effectivement plus simple de taxer moins à la source plutôt que de taxer beaucoup à la source puis de rembourser en partie, ce qui est devenu une manie de notre État. Alors, d'après les calculs de Bercy, cela permettrait d'augmenter les revenus d'un SMIC de 60 euros environ. Il fallait, nous dit-on, équilibrer politiquement les allègements de charges qui vont être consentis à nos entreprises afin de leur permettre d'aborder en meilleure position la concurrence internationale. Mais il vaut la peine d'aller regarder les deux bulletins de salaire mis en ligne sur le site Le Cercle Les Échos par un dirigeant d'entreprise, Jean-Michel Bérard, qui a des salariés en France et en Allemagne. Parce qu'il montre qu'avec un coût total pour l'entreprise identique, 4 700 euros, mettons, eh bien le patron du salarié français paye 1 046 euros de charges patronales contre 764 en Allemagne. À cela s'ajoutent évidemment des cotisations sociales payées par le salarié d'un montant équivalent dans les deux pays, un peu plus de 800 euros. Et après paiement des impôts, qui sont nettement plus élevés en Allemagne qu'en France, notre compatriote conserve 1 890 euros, tandis que son collègue allemand en touche 2 383. Conclusion, eh bien les charges sociales, en réalité, ce sont les salariés qui les payent.
Alors, la vraie gauche de gauche a tort. Ce que les sondages montrent, ce n'est pas que les Français jugent que la politique de François Hollande soit trop complaisante envers les entreprises, c'est le contraire. Selon BVA pour Le Parisien de ce matin, 49% des sondés estiment que la politique menée jusqu'alors n'est pas assez favorable aux entreprises, ce qui confirme d'ailleurs les résultats d'une étude menée par le Cevipof en décembre dernier qui montrait qu'une nette majorité de sondés, 59%, demandait qu'on fasse davantage confiance aux entreprises. Mais le vrai tournant du quinquennat, me semble-t-il, tient en une phrase prononcée hier par François Hollande. Il a dit « La première des injustices, c'est le chômage. Ça rappelle étrangement la sentence de Tony Blair, est social, ce qui crée des emplois. Le pragmatisme contre l'idéologie. » Alors à ceux qui constatent que la défaite du PS, ne s'est pas traduite par une percée du parti de gauche et des communistes, mais bel et bien par une victoire de la droite, François Hollande répond donc en nommant, depuis ce matin, Manuel Valls à Matignon, « L'homme est connu pour son autorité, son attachement à la laïcité et à la sécurité. » Valeur qui, bizarrement, le classe à la droite du PS, allez savoir pourquoi. Saura-t-il rassurer un groupe parlementaire socialiste dont certains courants semblaient hier encore au bord de la mutinerie ? L'ancien jeune rocardien, c'est dans ce milieu que je l'ai bien connu et beaucoup apprécié, peut-il compenser par le centre, par des prises au centre, le risque de quelques défaillances à gauche au sein des tendances les plus à gauche, en tous les cas, du Parti Socialiste ? Nous allons le voir bientôt. Voilà la chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Qui réagit, qui répond ? Jacques Hénen, Thierry Pêche, Philippe Manila. Oui, non, mais en dépit des provocations de Brice, je ferai une réaction mesurée. Juste sur un point, c'est que la politique de ce gouvernement est favorable aux entreprises. Les entreprises ne le voient pas encore. Elles commencent à le voir. Le CICE arrive dans les comptes. Il faut arrêter de raconter des histoires. C'est le premier gouvernement depuis longtemps qui fait une vraie politique de compétitivité. Le précédent gouvernement avait dit « Je vais faire une politique de compétitivité » et ne l'avait pas fait. Et pendant 10 ans, la compétitivité des entreprises s'est effondrée. De la même façon qu'il avait dit « Je vais réduire les déficits » et il les avait creusés. La vérité, c'est ça. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs vont avoir besoin d'un petit peu de temps pour le réaliser. Mais la vérité, c'est que ce gouvernement fait une politique favorable aux entreprises. Je sais que Philippe Manière va réagir. Oui, mais puis je voudrais quand même qu'on reste sur la personnalité de Manuel Valls, mais Philippe Manière. Ce gouvernement a mis beaucoup de temps, enfin le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a mis beaucoup de temps avant de prendre les décisions que vous annoncez, que vous évoquez à l'instant, Thierry. C'est vrai qu'à la fin des presque deux ans de Jean-Marc Ayrault, il y a eu un certain nombre de choses qui allaient dans le sens de l'avantage des entreprises. Mais enfin, n'oublions pas quand même qu'il y a eu 18 mois auparavant où il y a eu un absolu matraquage, augmentation de l'IS, augmentation de la taxation des dividendes, augmentation de l'épulalu. Enfin, je ne veux pas refaire la liste ici, mais la conversion est tardive. La conversion est tardive, elle est partielle. Et si on fait l'addition, croyez-moi, je l'ai faite plusieurs fois, Thierry, elle est très, 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 très fortement défavorable aux entreprises. Alors, on peut espérer que les choses continuent à s'infléchir, mais à ce stade, les 18 premiers mois du gouvernement Ayrault ont été incroyablement négatifs pour l'appareil productif français. Donc, grosso modo, est-ce que vous sentez, vous, Jacques Hénen, en ayant fouillé la biographie de Manuel Valls, que Manuel Valls serait peut-être, qui sait, le Tony Blair français ? Et que c'est pour ça que François Hollande l'a choisi, pour le dire vite. Tony Blair, c'est un de ses grands modèles, comme Felipe González, comme Clinton d'ailleurs. Il est allé à l'élection de Clinton aux États-Unis à l'époque. Donc ça se situe quand même pas mal politiquement. Il faut se souvenir que quand Manuel Valls était simple député-maire d'Ivry, si j'ose dire, il avait tenu des propos totalement iconoclastes. C'est un des premiers à avoir voulu remettre en cause les 35 heures. Il faut se souvenir aussi que quand il a... Se faisant du coup une ennemie jurée de Martine Aubry, au sein du Parti Socialiste. Je voudrais simplement rappeler pour mémoire que Martine Aubry a voulu le virer avec pertes et fracas du PS. Nous, on a vu les mails, les échanges de mails. Je vous assure que c'était pas coton. Il a tenu bon. Et il a tenu bon sur sa position. C'est aussi quelqu'un qui a voulu, il faut s'en souvenir, changer le nom du Parti Socialiste. Oui, absolument. Et j'en ai parlé avec Rocard. Contre l'avis de Rocard qui dit que tout de même, il faut garder les fondamentaux. Rocard m'a expliqué que c'était faire un trait sur l'histoire. C'était compliqué. Donc il a remis en place son ex-jeune élève. Voilà. Et sur les impôts, il faut se souvenir aussi, ça c'est plus récent, que durant la primaire, Manuel Valls promettait plutôt du sang et des larmes. Et il était loin de promettre une baisse d'impôts. Il a dû changer de position, on va voir. Il va falloir qu'il s'adapte aux recommandations du président de la République. Pour comprendre justement ce qui fait que ça fâche très souvent à gauche, les positions de Manuel Valls, notamment Brice Couturier y faisait référence, écoutez cet extrait de L'Esprit Public, c'était justement sur France Culture, chez Philippe Meyer, et nous étions au mois de juillet, le 16 juillet 2006.
Il existe toujours dans l'esprit beaucoup de socialistes, y compris de ceux qui sont candidats à la candidature pour l'élection présidentielle. Au fond, la priorité, c'est l'économique et le social. Ils ont évidemment raison pour ce qui concerne notre pays, et que c'est là-dessus que tout va se jouer. Or, moi, j'ai la conviction que dans la crise politique, civique, morale que traverse notre pays, le rapport à la nation, ce que cela veut dire être français, comment, quelle réponse doit apporter l'État, les valeurs vivre ensemble dans la République, bref, la sécurité sont les sujets qui sont déterminants et que nous devons évidemment affronter. Mais pour ce qui concerne la sécurité, il y a toujours au fond la recherche de l'excuse. Je vais être un peu brutal, mais je pense que la question de la sécurité est au fond d'une certaine manière autonome par rapport à d'autres problématiques. Là, évidemment, il y a des causes et il faut les traiter. Elles sont profondes. Mais à force de ne parler que des causes ou de chercher à chaque fois à expliquer, on n'est pas compris. L'exemple sur ce qui s'est passé au mois d'octobre, au mois de novembre, de ce point de vue-là, très parlant. Beaucoup de responsables politiques de gauche continuent de parler de révolte. Moi, je ne crois pas que c'est une révolte. Des émeutes urbaines, un événement évidemment qui a mis le feu aux poudres, mais on ne peut pas parler de révolte. Car à partir du moment où on parle de révolte, voire même certains de mouvements sociaux, alors à ce moment-là, il y a l'excuse. Il ne peut pas y avoir une réponse qui est celle de rétablir l'ordre républicain. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous l'avez dit Philippe Meyer, je m'étais abstenu pour ce qui concerne la prolongation de la loi sur l'état d'urgence. Voilà, donc Manuel Valls, en 2006, hein, il y a déjà 8 ans, sur France Culture, ben voilà, on est dans ce qui fâche. Hein, bah, là, on entend le Manuel Valls qui s'est positionné très tôt pour être un jour ministre de l'Intérieur, mais on entend aussi, effectivement, cette espèce de, pour le coup, de réalisme, qui est de se dire, c'est pas les vieilles positions économiques et sociales qui, parfois, sont d'ailleurs très mal taillées dans notre pays, parce qu'effectivement, on parle de social-libéralisme à propos de tout et n'importe quoi de façon exagérée, sont aussi les questions sociétales et culturelles qui déterminent le vote des Français. Et sur ces sujets-là, il faut reconnaître à Manuel Valls qu'à une époque où, au sein du Parti Socialiste, la question justement de est-ce qu'on retourne aux fondamentaux républicains, notamment à la défense de la laïcité, ou est-ce qu'on l'abandonne à la droite et qu'on tend, avec ce qui était plutôt la tendance Martine Aubry, vers ce qui n'est pas du multiculturalisme, mais du multiculturalisme, c'est-à-dire une sorte de relativisme, de tendance à flatter plutôt le clientélisme communautaire et religieux, Manuel Valls, quitte à être isolé au début, a été un des premiers à prendre des positions courageuses au moment de notamment la crèche Babylou, la défense de cette crèche laïque contre un salarié qui voulait porter le voile. Et petit à petit, il se trouve que cette position l'a emporté sur les autres et a gagné au sein du Parti Socialiste, a été portée par Rolando Bourget. Et du coup, c'est à la fois ce qui t'a mis à son crédit auprès de plein de gens, et ça lui a apporté beaucoup de surface, et en même temps, ça lui vaut beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires, et je pense qu'effectivement, dans les mois qui viennent, il y aura... on a vu beaucoup de manifestations de droite ces derniers mois, on va revoir des manifestations de gauche. Alors, dans un instant, David, au téléphone, vous voulez intervenir parce que oui, parce que ce propos de Manuel Valls, c'est typique, parce qu'il est typiquement blairiste. Hein, souvenez-vous que le slogan de Blair en matière de sécurité, c'était « Tough on crimes, tough on the causes of crime », c'est-à-dire, à la fois, il faut punir sévèrement les délinquants, il faut essayer de comprendre les causes qui les ont amenés à devenir des délinquants. Mais pas pas simplement la prévention et la répression, les deux. Et c'est toujours été le discours de Manuel Valls, c'est un discours parfaitement blairiste, qui a été très mal pris à gauche au départ. Ça a beaucoup changé depuis. Alors je voudrais qu'on retrouve au téléphone, il est en direct de son journal, du Monde, David Revaud-Dallone, bonjour. Vous signez avec Laurent Bourredon, Valls à l'intérieur chez Robert Laffont. Comment s'est opéré le rapprochement tout de même de Manuel Valls, et notamment pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, le rapprochement de Manuel Valls de François Hollande? Est-ce qu'il y avait, depuis qu'au fond Manuel Valls était place Beauvau, l'idée réelle, déterminée, qu'il serait, qui sait, dans quelques années président de la République, mais à moyen terme, Premier ministre, David Revaud-Dallone? Cette idée, elle s'est progressivement imposée, je dirais, au fil des mois, oui, au fur et à mesure, paradoxalement, que la situation se dégradait. Ça ne figurait pas dans les plans initiaux de François Hollande, qui, à l'origine, entendait plutôt conserver le plus longtemps possible Jean-Marc Ayrault, et s'il avait pu le conserver 5 ans, comme Nicolas Sarkozy en avait fait avec François Fillon, eh bien, il l'aurait fait. Il a dû se résoudre à s'en séparer plus vite que prévu, beaucoup plus vite que prévu, et la défaite très sévère au municipal à accélérer le processus. À partir de là, le nom de Valls s'imposait par élimination. D'abord parce qu'il y avait déjà songé. Il lui avait déjà proposé le poste au mois de novembre, mais Jean-Marc Ayrault avait, vous vous en souvenez, lancé sa grande réforme fiscale qui lui avait permis de se maintenir pour quelques mois. Donc Manuel Valls, il s'imposait parce que François Hollande
ne pouvait plus continuer avec Jean-Marc Ayrault, ne pouvait pas envisager de nommer l'un de ses fidèles, comme Michel Sapin ou comme Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui n'aurait pas constitué un réel choc, un effet de souffle dans l'opinion. Et puis, il y avait une autre option qui était celle de Laurent Fabius, qui présentait la garantie de l'expérience et de la qualité d'homme d'État, mais qui faisait un peu, si vous me pardonnez cette expression, retour vers le futur, dans la mesure où il avait été nommé il y a 30 ans. Donc, c'est contraint et forcé que François Hollande doit se résoudre aujourd'hui à nommer Manuel Valls à Matignon, avec tous les problèmes que ça peut poser à terme dans le rapport entre les deux hommes. Alors, contraint et forcé, et est-ce qu'en même temps, on ne peut pas imaginer que la démarche de François Hollande soit assez proche, au fond, de celle d'un François Mitterrand, décidant de griller une fois pour toutes son rival, François Mitterrand avec Michel Rocard, et François Hollande, désormais, avec Manuel Valls? Le problème, c'est on sent rarement vivant de Matignon, si j'ose dire. C'est vrai, c'est aussi un piège, Matignon, et Manuel Valls, qui jusqu'ici a su passer entre les gouttes de nombreuses affaires et de problèmes de résultats, lui aussi, qu'il n'a pas pu camoufler malgré une certaine habileté statistique, eh bien, il va être confronté aux vicissitudes de l'exercice du pouvoir à Matignon, à l'usure de cet enfer de Matignon qu'avait qualifié Rocard. Donc oui, bien sûr, à terme, il y a un risque de décrédibilisation, pour lui, un risque d'usure. Mais la différence avec Mitterrand et Rocard, c'est qu'ils ne sont pas encore des rivaux. Rocard et Mitterrand l'étaient, et ce d'autant plus qu'ils étaient sur deux lignes différentes. En réalité, Valls et Hollande sont extrêmement similaires. Il n'y a pas l'ombre d'une différence entre eux, tant sur le plan économique et social que sur le plan du rapport à la sécurité et même, je dirais, de la vision de la société. Donc ils sont très proches et ils ne sont pas encore rivaux, mais ils pourraient le devenir très vite. Une simple constatation, aujourd'hui nous allons avoir un président de la République qui est à moins de 20% de popularité dans les sondages et un ministre de l'Intérieur qui, de ce point de vue-là, l'est trois fois plus, avec 60% de popularité. Donc évidemment, à terme, cela porte en germe les fondements d'une forme de cohabitation entre socialistes. Valls à l'intérieur, c'est le titre de votre livre avec Laurent Boredon, David Revaud-Dallone. En une minute, vous dites quoi, vous, du bilan, justement, du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls? Il est bon, il est mauvais, il est mitigé, toutes les promesses ne sont pas remplies. Là aussi, il froisse beaucoup sur sa gauche, la rivalité également et la concurrence avec Christiane Taubira à la justice. Sur le plan de la gestion du ministère de l'Intérieur, pour l'instant, ses détracteurs expliquent qu'il n'est pas resté, qu'il ne restera pas comme un grand ministre de l'Intérieur de gauche, comme ont pu l'être Jean-Pierre Chevènement ou un peu plus, de façon plus ancienne, Pierre Joxe. Je dirais que Manuel Valls, il a été extrêmement prudent dans sa gestion du ministère. Il l'a dit tout de suite. Il l'a expliqué au syndicat. Les réformes, c'est un mot dangereux. Il n'a pas véritablement réformé la maison police. Il a certes contribué à créer une grande direction générale du renseignement intérieur, mais sur le plan de la réforme de l'institution, il n'a pas fait grand-chose et a plutôt co-géré, comme tous ses prédécesseurs, avec les syndicats. Il a nommé ses hommes, il a petit à petit étendu son réseau au sein des directions générales, des directions centrales de la police, et sur le plan des statistiques de la lutte contre la délinquance et l'insécurité, il ne peut pas, à ce stade, se prévaloir d'un meilleur bilan que ses prédécesseurs, et notamment Nicolas Sarkozy. Donc, le bilan policier, il est en demi-teinte. En revanche, sur le plan médiatique, sur le plan des sondages, le fait d'être placé au cœur de l'État, à la tête de la machine policière, à la tête de ce ministère de l'actualité, c'est ce qu'il définit, eh bien, lui a permis de s'exposer sur tous les théâtres d'opérations, faits divers, saisies de drogue, dossiers du voile, dossiers des Roms. Manuel Valls, il est partout en permanence, 24 heures sur 24, sous l'œil des caméras, des chaînes d'infos en continu, et c'est ce qui lui a permis, grâce à cette surexposition, eh bien, de gagner énormément de points dans les sondages. Un chiffre, selon les baromètres Ipsos, à la fin de la primaire, il est à 30% d'opinion favorable. Et un an plus tard, après quelques mois à Beauvau, il est à 60%. En un an, il a doublé sa cote de popularité. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de lutte contre de la délinquance et de résultats de politique publique, mais de ce point de vue-là, effectivement, le ministère de l'Intérieur lui a été
très profitable. Ouais. Thierry Pech, est-ce que ça veut dire qu'au fond, François Hollande a nommé quelqu'un qui est plutôt bon dans les sondages que dans sa gestion des affaires politiques pour lesquelles il devait s'occuper place Beauvau? C'est quand même une domination médiatique. Non, sa popularité est un atout et je crois qu'elle n'est pas volée. Il l'a travaillé, il l'a capitalisé. Mais deux commentaires, un sur le bilan, un sur l'avenir immédiat. Sur le bilan, il s'est fait la réputation d'un Clémenceau, vous savez, c'est le premier ministre c'est de gauche. C'est pas Jaurès, c'est Clémenceau. Lui, il a porté le Clémenceau dans son bureau, si j'ai bien lu Jacques Hédon. Extrêmement tough guy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un dur, un vrai. Et en même temps, il a assoupli les critères de régularisation, naturalisation, il a mené une politique qui est moins sévère et moins rigoureuse que ce qu'on veut bien dire. Et ça, il aime pas trop le dire, mais c'est la réalité des chiffres. Alors, sur l'avenir immédiat, ce gouvernement, il va devoir affronter les Européennes. Le premier obstacle, c'est ça. Et là, sa popularité risque d'en prendre un coup parce que cette épreuve-là, elle est effectivement très difficile. Maintenant, on ne peut pas exclure, je l'ai déjà dit à ce micro, je le répète parce que je crois que ça peut se produire, que la droite se brise sur les européennes, beaucoup plus que la gauche. C'est-à-dire que le FN met le doigt sur ce qui fait vraiment frontière entre les idées du front et les idées de la droite de gouvernement. Vous dites qu'il a assoupli, qu'il a assoupli. Petit rappel quand même d'archives, pas si vieux, le 22 août 2013, sur iTélé, Taubira, José Bové, Valls et l'immigration. Aux discours martiaux, aux grandes menaces, à la virilité intimidante, si nous cédions à cela, alors, comme aurait dit Césaire, la France aura tiré sur elle-même, de ses propres mains, le drap des plus sombres ténèbres. Un reproche qui pourrait s'adresser à Manuel Valls, car le Valls bashing, comprenait la critique assumée du ministre de l'Intérieur, c'était dans la bouche de tous les ténors du parti. Je crois qu'il y a surtout une fracture entre Manuel Valls et la majorité. La question, c'est très clairement pourquoi est-ce que Valls s'est mis à attaquer les immigrés et à faire ce discours très ambigu, pour le moins qu'on puisse dire, sur le regroupement familial. C'est une faute politique majeure. Voilà, José Bové, en l'occurrence, sur iTélé, c'était au mois d'août dernier. Ça, je ne vois pas bien pourquoi ça s'arrangerait, ce clivage-là, Philippe Manière, entre les écolos, la gauche de la gauche et Manuel Valls, Premier ministre. Non, je pense qu'effectivement, ça ne peut pas s'arranger beaucoup et je pense que c'est probablement du second ordre du point de vue du président de la République, et il a raison. C'est-à-dire que si on sort de la séquence précédente, c'est parce qu'elle n'était pas satisfaisante. Que disait-on, que savait-on de Jean-Marc Ayrault? Dans le fond, pas grand-chose. Bon élu local, ça personne n'en disconvenait. Loyal, fidèle, agrégé d'allemand, même s'il n'a pas eu de chance avec Furchtbar et Furchtbar. C'était pas grand-chose d'autre. On ne pouvait rien dire de plus sur Jean-Marc Ayrault. Là, on peut dire des choses. On peut dire des choses qui déplaisent. On peut dire des choses clivantes. Mais vous voyez, je reviens à l'enregistrement qu'on a écouté il y a un instant quand il était chez Meillard, il y a quelques années. Voilà quelqu'un qui a, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, une vision du monde. Je vais faire mon agrégé d'allemand si je ne suis pas une Weltanschauung. C'est-à-dire que vraiment, il a quelque chose qui ressortit à une pensée personnelle autorisée par des lectures. Alors, j'ai trop souvent déploré à cette antenne le fait qu'on ne nous propose pas cette offre-là pour ne pas m'en féliciter. Je ne dis pas que je suis d'accord sur tout. Et je comprends que beaucoup de gens ne soient pas d'accord sur tout. Mais il y a cette offre-là avec quelqu'un qui a réfléchi et qui dit voilà ce que je pense. Et je crois que ça n'est pas inutile à François Hollande qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pensée de Manuel Valls. Caroline Forest. Non, mais ça va tanguer très très fort avec la gauche de la gauche. C'est bien au-delà. Et ce n'est pas le départ de Cécile Duflot qui inquiète qui que ce soit, évidemment, du gouvernement. Ça sera très facile à remplacer par n'importe quel écologiste qu'on peut monnayer assez facilement au contrat ministère. Ce qui est angoisse tout. Il suffit d'être bien placé. C'est assez simple. Mais ce qui est plus compliqué, ça va être le Valls bashing, pour le coup, qui est très fort, qui est un marqueur chez les écologistes, qui est un marqueur au front de gauche. Valls est détesté comme Chevènement a pu l'être en son temps, pour de très mauvaises raisons et aussi, des fois, pour des postures et des propos qui, sincèrement, posaient question. Mais il n'avait pas le choix que d'aller vers ce poste de Premier ministre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pari qui peut l'abîmer énormément et qui va certainement l'abîmer énormément. Personne ne sort indemne de Matignon. En même temps, ça devenait de plus en plus compliqué au ministère de l'Intérieur, où il ne s'est pas fait que des amis, non seulement à gauche, mais aussi à droite. Il faut savoir qu'il a fait un parcours d'embûche avec les partisans de la Manif pour tous et les groupes extrémistes et l'extrême droite qui ont attaqué pour essayer de créer des provocations, qu'il y ait des morts, qu'il y ait une confrontation avec les forces de police, qui aurait dû être sa tombe, qui aurait dû être sa tombe politique. Donc il faut qu'il sorte de ce ministère, quitte à aller vers un défi qui, sans doute, peut être encore plus enterrant.
Écoutez-le donc, cette fois, c'est une archive très ancienne. Hein, enfin, on va dire que c'était pour le siècle dernier, mais tout de même, enfin, encore que si, justement, c'était en 1989. Manuel Valls a alors 27 ans. Il est sur France Inter, micro d'Alain Bédoué, Les Jeunes et la politique pour Le téléphone sonne, thème de l'émission Citoyen, pourquoi faire. Manuel Valls, 27 ans. Est-ce que vous trouvez que les adultes, les anciens, je ne sais pas comment on peut les appeler, effectivement devraient peut-être avoir un langage un petit peu plus près de la vérité, sans faire de démagogie et sans dire que les jeunes parlent très bien, etc. Est-ce que, effectivement, vous ressentez cette espèce de malaise chez les militants, Manuel Valls ? Il y a un décalage, je crois, énorme entre les pratiques politiques, les pratiques militantes, non seulement d'ailleurs dans les partis politiques, mais également, je pense, aux syndicats. Un décalage énorme de langage avec l'aspiration des jeunes et de la société tout court. Je crois que tout le monde le constate. Il faut inventer de nouvelles formes de langage politique, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et je crois que ce n'est pas du tout évident. Je crois que à travers les alternances au fur et à mesure des deux dernières élections présidentielles, il y a eu des choix qui ont été faits par toute une série de jeunes. Mais je crois qu'il faut surtout s'attaquer aux vrais problèmes. Et c'est vrai que trop souvent, les discours de tous les hommes politiques, de tous les partis, ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Voilà, en 89, on sent déjà le communicant, c'est-à-dire que la langue de bois est bien là, mais elle est très bien menée, tout de même, Jacques Hennen. Oui, absolument, mais on le retrouve toujours, et ça vient de loin. Il y a chez les Valls Galfetti, du nom de sa mère, une mythologie familiale avec son grand-père paternel, antifranquiste, son autre grand-père, aventurier, est parti au Sierra Leone. Il y a quelque chose d'extrêmement profond, sans faire de psychanalyse de comptoir, un rapport au père qu'il vous voyait. Alors le père peintre, hein, il est très bon peintre, d'ailleurs il faut le dire, clairement. Enfin, voilà, très c'est bon peintre. Exposé partout, au Whitney Museum. Et... D'ailleurs, dans le bureau du ministre de l'Intérieur, il y avait le portrait du petit Manuel, fait par son père, qui tournait au-dessus du bureau. Enfin, il y a un rapport au père, fils-père, absolument... profond, et ça joue énormément. Et il faut savoir aussi que, pour l'anecdote, c'était un enfant assez renfermé, très bon élève sans plus, très sage, et qui était plutôt du genre à se précipiter dans les bouquins qu'allait s'amuser avec ses camarades. Et il a eu, par exemple, pas mal de difficultés scolaires. Hein. Il a eu au bac, il a eu quand même 5 sur 20 en français à l'écrit. Il s'est rattrapé à l'oral déjà. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu et son origine familiale et sa fantasmagorie familiale joue énormément. Non, mais il faut dire d'abord qu'il naît espagnol, quand même, il faut le rappeler. Bien sûr. Hein, Il a quoi, deux écoles. Quand est-il espagnol et à partir de quand devient-il français, Jacques Hennen ? Ah ben, il devient français à 19 ans, juste après le bac, après un parcours initiatique. Il passe le bac, il a le bac en poche, il part avec son oncle en Espagne. Et pour la petite histoire, il va à Saint-Jacques-de-Compostelle, et là où certains retrouvent la foi, lui la perd. Il se confesse à un prêtre, et il ressort de cette confession en disant je n'ai plus la foi, c'est terminé. Et quand on lui pose la question, est-ce que vous croyez, il nous répond avec une pirouette, je ne crois pas. Donc, en tout cas, pour revenir à l'âge auquel il est devenu français, c'est bien à 19 ans. Donc tardivement, il aurait pu le devenir avant. Et parce qu'il se dit quand même qu'un jour il deviendra bien président de la République. Pour devenir président de la République, il faut passer par la naturalisation. Et quand il adhère au Parti Socialiste, il est encore espagnol. Hein, c'est quand même exceptionnel. Mais il y a les clés dans cette origine espagnole de son positionnement ultra-républicain et en même temps beaucoup plus ouvert qu'on peut le penser sur les questions de naturalisation, Thierry Pêche le rappelait. C'est-à-dire que c'est cette Espagne anti-franquiste qui croit la République, comme Anne Hidalgo d'ailleurs. C'est la même origine et le même attachement à cette gauche républicaine. Confondez pas les Andalous et les Catalans, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Micro, mais Caroline. En termes d'attachement à l'école républicaine. Venant d'une Espagne qui s'est battue contre le franquisme, il y a ça, donc il y a l'ordre, l'autorité et en même temps le mélange. Et le Front National, d'ailleurs, va pas tarder à attaquer sans doute sous cet angle-là, parce que quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est un candidat gênant pour le Front National comme Premier ministre, Manuel Valls. Thierry Pêche ? Oui, on l'a parfois comparé à Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a une vraie grosse différence. Oui, c'est Nicolas Sarkozy de gauche. Nicolas Sarkozy réunissait son camp. Mais Manuel Valls le divise, ce qui est une vraie différence et une vraie difficulté pour son avenir politique. Et d'autre part, son intransigeance sur un certain nombre de sujets va devoir quand même se tamiser un peu, parce que notamment sur les questions écologiques, le président hier, je ne rejoins pas tout à fait ce qu'a dit Caroline Fourest, qui a fait
qui a mis peu de prix sur la peau et des écologistes au gouvernement, les questions écologiques sont assez hautes sur l'agenda du gouvernement. Hein. Hier, le président de la République a dit transition énergétique, ça fait partie du renforcement de l'économie. Et on peut le rejoindre là-dessus. On espère tous que le prix augmente. Et oui, d'accord. Donc, il va falloir trouver des gens compétents et de valeur. Et il y en a dans les rangs des écologistes. Ils sont très mal organisés, mais il y a des gens de valeur dans ce parti. Et là, Manuel Valls va devoir faire preuve d'ouverture, parce qu'il est Premier ministre pour tout le monde. Il n'est pas Premier ministre pour les questions de laïcité ou pour les questions d'immigration. Benoît Bouscarel. Tout à l'heure, Caroline disait que ça allait tanguer avec la gauche. Ça risque aussi de tanguer avec François Hollande. Et là aussi, il va falloir faire attention. Le rapport de force entre François Hollande et le nouveau Premier ministre, quel va-t-il être ? On sait qu'il va falloir établir aussi, justement, à travers ce rapport de force, celui qui va être interne à la majorité, entre les Verts, la gauche de la gauche un peu plus centriste. Et puis la question, c'est de savoir jusqu'où il va aller trop loin, Manuel Valls, pour piquer des compétences au chef de l'État. On l'a vu quand il était ministre de l'Intérieur, il ne s'est pas privé de parler de PMA, de GPA, par exemple. Pour laquelle il est favorable. Il va peut-être aller un peu loin dans les prérogatives. Mais Premier ministre. Mais justement, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi sur le Rocard à Matignon et qui a vu comment Rocard était arrivé à diviser une partie de la droite et à recueillir une partie du centre. Bon, il n'est pas invraisemblable que Manuel Valls fasse éclater non seulement la majorité, mais aussi l'opposition. Parce que franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a entre Bayrou et Valls? Vraiment l'épaisseur d'un papier à cigarette. Comment imaginer que Bayrou puisse continuer à s'associer avec un parti dirigé par Jean-François Copé? Tout petit mot, Philippe Manière, on laissera le dernier mot à Jacques Hélène. Tout petit mot, c'est simplement d'ailleurs une interrogation à moi-même, ou plutôt à tout le monde ici. Je vois bien en quoi il est très clivant à l'intérieur du parti, à l'intérieur des militants. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi clivant que ça à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est d'ailleurs le pari de François Hollande. C'est-à-dire dans un sens, le côté motion de synthèse qui a été évoqué plusieurs fois ce matin, je pense que les électeurs peuvent l'entendre, même si c'est rude à avaler, c'est dur à avaler pour les militants et pour l'appareil. Pour aller dans le sens de Philippe Manière, même dans l'électorat socialiste, je pense qu'il est beaucoup moins clivant qu'il ne l'est dans l'appareil. Alors Jacques-Hélène, vous aurez le dernier mot. Voilà, il y a quelque chose qu'on a peut-être un petit peu oublié, c'est qu'il y a de l'irrationnel en politique. Et que ça durera ce que ça durera, mais il peut éventuellement se passer quelque chose, y compris, comme le disait Brice, peut-être une recomposition réalisée par ce social-démocrate suédois perdu en France. Il peut peut-être se passer quelque chose de dingue, c'est qu'on peut aller vers une recomposition partisane, politique du pays. Mais lui, il peut changer ou pas ? Lui, il changera pas. Manuel Valls ne change pas. Depuis toujours, il est le même. Et il sera quoi ? Le seul premier ministre à prouver que plus tard, il pourra se succéder à lui-même, mais du côté de la rue du Faubourg-Saint-Honoré ? Ah, c'est son obsession permanente et il y pensait avant de se raser, lui. Hein. Ah oui, déjà.